Donc, concernant le jeu Resident Evil 7, je vais vous proposer aujourd'hui un run pour aller de façon très rapide, notamment pour ceux par exemple qui veulent avoir la scie sauteuse et la scie circulaire, car il faut finir le jeu 3 fois. Donc, je vais vous montrer comment finir le jeu 3 fois de très rapidement en facile, pour pouvoir que ce soit plus simple pour vous. Comment parler rapidement de ce jeu le temps que la cinématique qu'on ne peut pas passer tourne? Juste, moi je vais faire le run avec tous les gadgets, parce que du coup je les ai tous débloqués, je suis à plus de 15 runs. Vous avez du coup la scie électrique, vous avez les munitions infinies, le pistolet Albert, le plus puissant du jeu du coup. Les chaussures qui permettent de marcher plus vite, mais pas de courir plus vite par contre. Les tomes d'autodéfense et... Il manque les lunettes à rayon X pour déceler tous les objets dans les pièces. Comment débloquer tous ces objets? Tout simplement, le pistolet, il faut finir le jeu une fois et on débloque le pistolet. La scie sauteuse, il faut avoir fini le jeu 3 fois. Les lunettes à rayon X, il faut avoir fini le jeu en moins de 4 heures. Les munitions infinies, il suffit simplement de terminer le jeu en mode survie. Et les tomes d'autodéfense, il faut trouver toutes les pièces. Salut Armand. Détruire toutes les statuettes du jeu. J'en sais rien. Écoute, je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Alors c'est un jeu qui est très long sur le début, voire même trop long sur le début. C'est pour ça que j'aime pas trop faire le début. Je vous conseillerais du coup, quand vous êtes arrivé dans la première partie du jeu, de sauvegarder et de laisser cette sauvegarde toujours active. Que si vous voulez refaire une run, que vous n'ayez pas à chaque fois à recommencer... À recommencer le début du jeu en fait. C'est ici. En main. Alors là, le but étant de pas trouver tous les objets, ni toutes les statuettes, ni toutes les pièces, ça va être surtout de prendre ce qui est seulement nécessaire pour pouvoir aller très vite. Alors je précise bien à tous les viewers que c'est pas un speedrun. Je vais pas essayer de battre les 1h35 de jeu en record. Alors vous zappez la sauvegarde et la cassette qui est en haut, ça sert à rien. Aïe.
un truc que je comprends toujours pas, c'est que je suis toujours à deux viewers en fait au début. Je pense que je me tape un bot. Bonjour. Beau gosse. Alors, il n'y a pas trop de choix, il n'y a pas trop moyen de gagner du temps sur le début, hein. C'est trop long. Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant! Allez, avance. Tu m'emmènes quelque part, en jeu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans? Ça fait déjà 3 ans. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Allez. C'est trop long. Ce message peut t'envoyer. À moi. C'était à moi. Et tu l'as fait. C'était à moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Mia, tu es sûre de savoir où tu vas? La famille m'apportait de la nourriture. Je m'en souviens. Là, c'est là. C'est ici. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Non! Elle est plus là! Elle est plus là! Elle a disparu! On va être une famille. Maintenant que tu es ici. Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. Il y a des monstres cryptés dans le jeu aussi, voilà. Si vous ne déclenchez pas quelque chose, ça se passe pas. Donc là, faut faire le petit tour et c'est bon. Là, c'est la même chose ici, du coup. Il faut récupérer les bouteilles qui sont là.
sortez. Voilà. Sautez bonjour à ma femme. Chérie. Venu, Mia. Merde, t'es où? J'ai décroché trop tôt, je fais des bêtises. Ouais, faut que je m'éloigne, voilà. Donc encore, vous voyez, des fois le script c'est un peu chiant. Je n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y, maintenant. Allez, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. J'aurais pas dû faire ça. Ça fait putain de mal. Thank you.
Bon, d'accord. C'est le script, on démonte hop, et on descend de l'échelle. Pas besoin du pistolet, vous tapez à la hache, ça va plus vite. Alors en sachant que j'oubliais un truc, c'est que j'oubliais de prendre la pièce qui est dans la vidéo. Vous pouvez prendre la pièce et arrêter, qui m'aurait été utile pour avoir le magnum plus tard, mais c'est pas grave, on va faire sans. Bienvenue dans la famille, fiston. Moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Mange, c'est bon. Sympathique petite famille. Salut. Tranquille. Alors, la bêta de Ghost Recon, c'est demain. Mais tu nous attends demain soir pour commencer. Tu nous attends demain soir pour commencer quand même. Ah, très bien. Parce que moi, je devais pas travailler, mais je travaille. En fait. Oh, si, tu m'attends, Choupinou. Rico, c'est pareil, tu nous attends. Tortue aussi, c'est pareil, tu nous attends. Oui. Oui. Tout est à 4. Alors là, vous faites, pour faire vite, vous passez
Vous allez voir le boss, enfin l'espèce de boss. Là, vous courez, vous faites. Voilà, vous faites le tour de lui en fait. Et là, vous allez gagner un temps fou en fait en faisant ça. Et là, vous êtes sur une safe room, donc c'est pour les joueurs de Resident Evil 1, 2. 3, 0 et un peu 4. La safe room, c'est les espaces où les ennemis peuvent pas arriver. Et du coup, vous êtes tranquille. Alors. Elle est où la scie là-dedans? Plus Rico. Voilà, une fois que vous avez récupéré vos objets, hop, vous sauvegardez, faites une nouvelle sauvegarde, et cette sauvegarde-là, vous la touchez plus après. Comme ça sera votre base de jeu et ça vous évite de vous taper tout le début que vous êtes tapé là, ce qui est hyper chiant. Alors, le téléphone obligatoire, voilà. Alors, donc est-ce que si on marche avec le frigo, ça fonctionne? Non. Alors c'est pareil, pour lancer le script, des fois il faut encore une fois faire des choses. Alors là, pour lancer le flic, il faut toucher la porte qui est là. Voilà. Et normalement, quand on revient, c'est bon. Voilà. Hé, hey, par ici! Hé, hey, vous! Hé, hey, vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Comprenez pas, je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez. Retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint.
voulez voir mon nom dans la rubrique psychologique. Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie. Un simple couteau de poche. Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Ok, donc là on récupère le couteau de poche. Hop, on le déséquipe. Parce qu'on va pas en avoir besoin plus que ça. Ça d'ailleurs, on en a pas besoin non plus. Et après vous équipez de la scie sauteuse. Alors pour ceux qui l'ont pas, ou qui n'ont pas les munitions limitées, le pistolet Albert, ou sinon vous essayez de faire, essayez de découvrir le jeu par vous-même. Là c'est vraiment une run que je vous propose pour ceux qui ont déjà fait le jeu au moins une fois. C'est-à-dire qu'il en a marre et du coup il va monter dans la voiture. Il va monter dans la voiture. Voilà, quand vous l'avez tapé suffisamment, il a un accident. Ça, c'est inévitable. Voilà. Et là, pareil. Alors le mieux pour éviter d'utiliser des munitions quand vous n'avez pas de munitions limitées, vous vous faites prendre. Hein, parce que du coup, la voiture explosera au moment où il vous attrape. Mais vous perdrez légèrement de vie en fait. Donc moi, comme j'ai des munitions limitées, je tire dedans tout le temps. Les clés de voiture, du coup, on n'en a pas eu besoin. Donc hop, c'est pas grave. Regarde-moi bien, tu vas voir quelque chose de magnifique. Il est mort, on y va. Moi je l'ai, ouais. Alors en facile, le jeu il sauvegarde facilement, assez rapidement. Alors, je vais vider un peu ma malle. Alors
L'Albert 01, c'est le pistolet le plus puissant. Le problème, c'est qu'il a que 3 balles, c'est chiant. Alors qu'avec vos munitions limitées, vous avez la possibilité d'avoir les modes munitions améliorées, donc plus puissantes, à volonté. Donc, plutôt que de s'embêter. Alors, il vous faut 9 pièces antiques, donc essayez de trouver toutes les pièces antiques de la zone, ça peut vous être utile. De la baignoire. Ah, j'ai pas optimisé mon temps hein, par contre. Hop. Et là, on sort. Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi maintenant. Ouais. Il a bugué. Ça n'en a pas besoin. Dans l'horloge. Alors je vous parlais dans les gadgets des deux tomes de... Oh, oh il m'a jamais fait ça lui. Ouais, c'est pas grave, c'est pas plus mal. Donc je vous parlais, avant que d'être surpris du coup, les deux tomes de défense dans Resident Evil, les deux tomes de défense, en fait ils vous servent à bloquer les attaques sans perdre des dégâts. Alors c'est important de toujours prendre le temps de sauvegarder de temps en temps, même si il y a la sauvegarde automatique, c'est pas plus mal.
Alors, j'ai un petit souci de manette, c'est des choses qui arrivent. Salut Tortue. Donc, hop, ça a repris, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est plutôt marrant, du coup je danse un peu la polka. Les ennemis qui ont les espèces de griffes à la place des bras sont plus résistants que les... Alors dites-vous pas que c'est facile hein, d'habitude avec les avec ces ennemis là. Il y en a sur qui ça marche, l'autre pas. Il y en a qui prennent bien, d'autres pas. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, la tête de chien là, mais on va pas la prendre. Ça sert à rien parce que du coup, ça va lancer une petite cinématique et on s'en fout. On arrive dans la première zone de boss. Et si on s'en fout. Comment on la lance? Tout simplement en allant chercher la tête qu'elle a. Armez-vous de votre scie. Alors, si vous n'avez pas la scie, c'est pas grave. C'est un boss plutôt simple, hein, Jack. Vous tapez jusqu'à ce que sa tête est grossisse. Une fois que sa tête elle est grosse, il va ouvrir le grillage qui est là. Vous attrapez la tronçonneuse et vous faites la même chose que la scie. Sauf que là, moi j'ai la scie qui est un petit peu plus puissante et qui tombe pas en panne. Et dès qu'il dit tu vas crever ici. Voilà, là il est mort. Hop. Extrêmement simple, vous verrez avec en mode normal avec la tronçonneuse, c'est extrêmement simple aussi. Vous êtes obligé de prendre la tronçonneuse pour pouvoir sortir. Vous la prenez. Et on part. On a ce qu'on veut. Alors quand vous êtes sur votre première run ou si vous n'avez toujours pas les munitions limitées, pensez bien à cleaner les zones. Ça c'est hyper important. C'est un jeu où si vous cleanez pas, vous pouvez vite tomber à manque. On va prendre le trésor. Voilà. Crochet, on n'a pas besoin. Herbe non plus. Et là, c'est un raccourci qui mène ici. Hop.
besoin d'enregistrer, hein, vous n'allez pas retomber sur des ennemis. Vous videz juste ça. Hop, c'est bon. Salut bébé. Et le trésor que vous avez trouvé en photo, en fait, il est juste ici. Mais vous, il marche pas si vous n'avez pas pris la photo. C'est pour ça que vous pouvez prendre la photo. Hop. Les stéroïdes, ça augmente votre vie. Donc, en mode survie, ça peut vous aider. En sachant qu'en mode survie, ils sont au même endroit que sur tous les autres modes de jeu. Non, c'est pas ça qu'il me fallait, je dis bêtises. Hop. Hop. Vous avez une pièce antique qui est juste là. Ça fait 7. Huit avec celle qu'elle a. Elle est cassée. Alors ça, vous en avez plus besoin. Pour vous gagner du temps, hop, vous mettez les 8 ici. Voilà, alors, pour activer le reste du jeu, hop. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Sois prudent. Ils vont être après toi. C'est reparti. On va faire la deuxième zone du jeu, qui est la vieille maison. Alors j'hésite, est-ce que je prends la pièce et je vais chercher le magnum ou pas? Pas tellement d'intérêt. Je pense que je vais faire tout sur le magnum et puis avant le boss, j'irai chercher le magnum. Alors faites attention, ces mouches font mal. D'ailleurs, ouais, si on peut aller chercher l'injecteur d'abord l'injecteur, hop. Alors ces mouches sont chiantes, mais un coup de cut ça passe bien.
Ou alors sinon, si vous avez le lance-flamme, ou si vous avez une arme infinie, bah, utilisez des munitions sur eux, y a pas de... ça passe aussi très bien. Hop, et vous allez jusqu'à la cabane là-bas, qui est une safe room. Hop. Là, vous avez ramassé les deux morceaux du lance-flamme, vous pouvez donc le construire. Voilà. Ça, c'est réglé. Vous avez un sac à dos pour agrandir votre inventaire. Il y a des choses. Hop. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. On fait la petite sauvegarde qui va bien. Hop. Vous équipez du lance-flamme. Là, il faut aller chercher l'araignée pour le tableau. Mister Everywhere, une petite pièce antique. Normalement, j'ai assez de pièces antiques maintenant pour mon magnum. Là, normalement, vous avez mis Akela, mais bon, on s'en fout. Merde! Oh mon Dieu! Hop, donc là déjà, on va par là, tout au fond, dans le trou. Récupère la manivelle. Le feu de la manivelle, ça non plus. On brûle le machin.
Unité scientifique justicier, on prend. Ça, on n'a pas besoin. La clé corbeau. Et là, on retourne près de la manivelle. Là où on a attrapé la manivelle. Joli, joli le corbeau. Je vous invite à regarder ce beau corbeau. Salut Jim, comment vas-tu? Et là, oh. Alors là, si vous avez des munitions limitées, hein, faites-vous plaisir, vous la défoncez. Là. Voilà, c'est réglé. Eh bah très bien, Dim, merci. Bienvenue à toi sur le live. Je fais une petite live très rapide de Resident Evil 7 parce que du coup sur ma chaîne YouTube, elle était en 7 parties et ça me gonflait en fait d'avoir des vidéos en 7 parties. Donc maintenant que j'ai un système qui me permet d'avoir des vidéos d'un seul coup, je refais une run très rapide. Puis du coup je lance un petit tuto en même temps pour les personnes pour leur montrer comment on fait. Un run rapide de Resident Evil 7 parce que pour avoir certains gadgets il faut le faire le jeu plusieurs fois. Ça doit être ça. Voilà, là le téléphone. Alors, t'as trouvé le sérum? Je viens d'en finir avec ta mère et ces satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. J'ai vu la run ouais, que tu as fait la dernière fois. Dim. Ouais, je suis resté un moment, j'ai pas vu la deuxième partie, faudrait que j'y retourne si tu l'as faite, elle doit être dans ton stockage, je vais y retourner. Je crois que j'ai pas quelque part. Vraiment ? Mais aucune idée pour le voir. T'as exploré toute la maison ? Non. Allez, dépêche. Alors vous verrez dans le jeu, il y a des téléphones que vous pouvez zapper et d'autres que vous n'avez pas le choix de prendre en fait. Donc là vous me verrez sur tout le long du jeu, ceux que je prends c'est que j'ai pas trop le choix de les prendre. Les autres vous pourrez les zapper. h 22, bien joué. L'appareil, il faut du coup voilà, aller ici pour que maman elle puisse se lancer. Sinon ça se lance pas. GG1 pour les 2h22. Salut Xuras59, bienvenue sur le live, bienvenue à toi. Voilà. Et là du coup j'ai l'arme qui me permet d'avancer plus rapidement, je vais aller chercher le magnum en fait. Alors généralement j'aurais dû avoir les 9 pièces avant parce que j'ai oublié la pièce qui était dans la vidéo du début et vous pouvez aller chercher la pièce et ensuite arrêter la vidéo sans la finir. Mais j'ai complètement zappé. Donc c'est pas grave. Ça va me faire perdre une minute, et comme je vous ai dit, c'est pas un speedrun, c'est un tuto pour faire un run rapide, sans que ça soit dans le hyper rapide. Quoi. Donc là, hop. Vous mettez la pièce antique en trop, hop. Voilà. Ensuite, vous mettez dans le coffre ce que vous avez plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Alors vous verrez tout ce qui est clé corbeau machin pour avoir les fusils à pompe, les lance-grenades, ça sert plus à rien du coup si vous êtes en munitions limitées, vous prenez le magnum, ça vous règle tous vos problèmes. Ça sera l'arme la plus puissante et surtout en facile, laissez tomber quoi. Quelques coups de magnum, vous allez voir maman comment elle va gerter la pauvre. Alors, comment déclencher le boss? Vous montez, vous enculez.
À toutes. Et là, il suffit de la trouver. Voilà, bah là, elle m'a trouvé. Alors, elle m'avait trouvé. Elle est là. Elle va monter, c'est pas grave. Laissons-lui le temps. Voilà. On va vous la garder au magnum. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Ouais, dépêche. Reste mort cette fois, ok? Hop. Hyper simple. Quoi? Ça m'intéresse pas. Dégage. Hop. Ah non, je me suis trompé de... Bah, c'est pas grave. On dépose ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire rien pour le moment. Hop. Et on y retourne. Là, il faut aller chercher le bras. Je crois qu'il y a un sacré retard sur le live, là. Je sais pas ce qui se passe. C'est cool, j'espère que vous prenez plaisir à regarder le live. Salut. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, la première run elle est quand même assez impressionnante. Après, une fois que vous connaissez le jeu, enfin, il faut le faire une fois en facile ou normal et une fois en difficile en survie. Vous allez voir que c'est deux jeux complètement différents. Mais après, une fois que vous avez l'habitude, ça se fait tout seul quoi. Et si vous êtes chasseur de trophées et que vous voulez platiner les jeux, ça reste un jeu très facile à platiner. Salut, ça m'a fait plaisir de te connaître. Alors des fois vous embêtez pas, vous tracez. Hein. Moi je trace. C'est les ennemis de toute façon. Hop, quand vous arrivez dans la lumière, il n'y a plus d'ennemis. Voilà, terminé. Et vous économisez des balles. Je vous invite aussi hein, dans le jeu, quand vous n'avez pas de munitions limitées, des fois à tracer. C'est plus simple que à taper tous les ennemis que vous croisez. Le petit script. Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir de ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. On continue. N'hésitez pas à me laisser vos messages, hein. Je les vois, il n'y a pas de souci. Je suis branché aussi directement moi sur mon live en ordinateur et j'ai l'accès à mon chat et avec grand plaisir je réponds à toutes les questions bien sûr comme d'habitude. Tu parlais Armand du coup?
D'accord. Hop. Notre charmant petit policier qui nous dit qu'on va à la salle de dissection. C'est parti. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes sûr de vous, sauvegardez pas n'importe où, n'importe comment, puisque en facile ou en normal, les points de sauvegarde sont automatiques. Pratiquement, voilà, le petit point en haut à gauche, c'est-à-dire que ça a sauvegardé, donc voilà, vous embêtez pas à sauvegarder. Ah, il s'est fermé derrière moi, quoi, carrément. Salut mémé, enchanté. La pitié, je veux dire pourquoi. Pour ça. Alors, ces ennemis à quatre pattes, là, que vous voyez, ils font très mal. Par contre... ils prennent beaucoup de dégâts aussi. C'est-à-dire que vous voyez, le mini coup de scie que je lui ai donné, il n'y avait plus personne. Âme sensible, s'abstenir. Hop, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Magnum, hein, c'est la vie dans Resident Evil, je la prends pas. Salut Mister Versus, si je prononce bien, ouais. Comment vas-tu? Bienvenue à toi sur ma chaîne. Je te propose un petit tuto pour faire un run de Resident Evil 7 en mode très rapide. Pas en mode speedrun, mais en mode rapide. Allez, relève-toi. Bon, t'es mort. Toujours pas. Ah si, avec ça t'es pas mort. Je comprends plus rien. Non, c'est bon, t'es mort. Salut Refill West, bienvenue à toi sur le live. Salut mémé. Photo d'un trésor, est-ce que j'en ai besoin là? Ouais, oui. Puis on le jette. Voilà. Herbe, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. Ensuite, on va, hop, horloge, on met 10h15. On a la carte d'accès rouge. Hop, je vous attends, venez. Ah,
Ah, comment j'ai eu l'arme avec munitions illimitées? Alors, en fait, c'est pas compliqué. Pour avoir les munitions illimitées sur n'importe quelle arme, il faut finir le jeu en mode survie. Petit conseil, du coup, cependant. Alors, attends, j'évite ce que j'ai pas besoin. Là, si la clé serpent, j'en ai encore besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Petit conseil, du coup. Le mode survie, il est quand même assez chaud. Alors, si tu te sens d'attaque pour le faire du premier coup, vas-y, fonce. Ça reste un défi. Sinon, moi, ce que j'ai fait pour que ça soit beaucoup plus simple, c'est quand tu finis le jeu trois fois, tu débloques un gadget qui est la scie circulaire, celle-ci. La scie circulaire, elle est en munitions limitées, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'essence, elle n'a pas de courant ni rien. Et crois-moi, en mode survie, elle, c'est ta meilleure amie. Donc après, c'est toi qui vois de la tactique que tu veux imposer. Et après, du coup, tu débloques un petit item, voilà. Munitions limitées qui prend une place dans ton inventaire. Et après tu prends ça marche sur toutes les armes, il n'y a pas plus une arme qu'une autre. En sachant qu'après pour refaire les runs, t'achètes le magnum avec les 9 pièces antiques. Et t'as un magnum illimité, et crois-moi, t'as rien besoin d'autre. Tous les boss crèvent avec le magnum illimité. Même tous les ennemis qui passent, de toute façon, ils crèvent tous avec le magnum illimité. T'as pas besoin de faire de révolution. Hop. Ah, joystick, ça m'énerve, c'est le joystick. Hop. Voilà. Alors, je veux bien rechecker un petit peu les gadgets qu'on débloque dans le jeu, si tu veux, avec toi, Mister Versus. Hop, je te mets en mode. Voilà. Voilà. Quand tu finis le jeu plus de 3 fois. Hop, tu as la scie circulaire. Scie circulaire standard pouvant servir d'arme. Quand tu finis le jeu en mode survie, tu débloques les munitions limitées. L'art de se défendre, tu l'obtiens quand tu casses toutes les statues. Les petites statues qui sont un peu partout dans le jeu, et ce qu'on appelle les Mister Everywhere. Les lunettes à rayon X, tu les gagnes quand tu finis le jeu en moins de 4 heures. Le secret de l'autodéfense, il faut simplement finir le jeu en mode normal. Et tu débloqueras aussi les chaussures légères pour marcher plus vite, mais pas pour courir plus vite. Voilà tout ce que tu peux débloquer dans le jeu. Alors, la fausse hache, faut la prendre, la réplique après, en munitions limitées, elle sert à rien, mais la fausse hache, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup qui demandent aussi à quoi elle sert cette fausse hache. Hop. J'ai pas pris la carte bleue, je suis vraiment bête, je discutais sur le live. J'ai pas chopé la carte bleue, n'importe quoi. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Hop, voilà. Alors, tu peux le faire en facile, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais ton jeu trois fois en facile, tout simplement. Et tu recommences après ton mode survie. Ça peut se faire. Et je te conseille, du coup, en facile, puisque tu le connais, c'est de faire moins de 4 heures aussi, parce que du coup, tu vas débloquer les lunettes. On n'a pas besoin du téléphone. Et crois-moi, les lunettes en mode survie, comme les objets, en fait, tu vas voir, le mode survie, les objets sont pas du tout à la même place. Ça peut t'aider. Aïe, j'en étais sûr. Dégage. Alors, la hache, elle va servir ici. Vous avez, voilà, une espèce de petit passage. Vous mettez là. Hop, et vous faites un set avec la hache, en fait. Et vous gagnez un stabilisateur. Le stabilisateur, alors vous avez les deux objets supplémentaires qui vous aident dans votre effort physique. Le stabilisateur qui permet de recharger plus rapidement. Et le stéroïde qui vous permet d'augmenter votre vie maximum.
Oui, oui. Merci Mister Versus pour le follow. Bienvenue à toi dans le temple, celui des insoumis, des personnes qui font ce qu'ils veulent et pas qui sont à la contrainte des autres. Bienvenue à toi. Merci encore pour le follow. N'hésite pas encore si tu as des questions sur le jeu. Je lui répondrai avec grand plaisir. Je suis à ma 17e run, donc du coup, je connais quand même bien le jeu, platiné et tout ça. C'est grâce quand même à vous que j'arrive un petit peu à développer mon stream. Je suis à 37 viewers au bout d'un mois de... J'ai commencé il y a un petit peu moins d'un mois, donc je suis assez content de pouvoir développer mes streams. J'ai ma chaîne YouTube aussi, si ça t'intéresse, Mister Versus. Rome Exterminator, tout simplement. Le Temple des Insoumis. Où tu retrouveras toutes les rediffs de mes lives, ainsi que quelques tutos et quelques runs de jeu. Mais généralement, tout ça, je le fais en live aussi direct, parce que j'aime bien répondre aussi aux questions qu'on me pose. Voilà, puis j'attends aussi... le mois prochain, on devrait avoir une petite caméra aussi, parce que du coup, j'attends aussi d'investir dans une caméra. Puis au fur et à mesure de voir si j'arrive à avoir pas mal de followers, j'achèterai aussi des boîtiers de capture, des choses comme ça, où on va pouvoir faire des choses un peu sympathiques sur cette chaîne, en tout cas, et avec grand plaisir. Hop, allez, c'est reparti. Alors, zone où il faut faire attention, il y a des bombes partout, c'est la zone de Lucas, le fils qui est un peu un inventeur. Voilà, comme quoi on veut aller vite et des fois on fait pas gaffe. Bon, c'est pas grave. J'ai de la réserve de... Alors, est-ce que Mister Versus, tu es un chasseur de trophées aussi, toi, à tes occasions ou pas? Ou pas du tout, sans plus? Je vais sortir le Albert. Je vais sortir le Albert. Bah, vous avez cette arme en fait. Quand vous finissez le jeu une fois, vous avez cette arme qui est le Albert. C'est le pistolet le plus puissant du jeu. Par contre, il a que 3 balles et un peu lent à recharger. Mais moi, je préfère le Magnum quand je l'ai débloqué. C'est beaucoup plus simple. Saloperie de mot de passe, hein. Et si t'essayais 08 à 4? Non, 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 non. 06, 2, 1. Ah, ce qui serait cool, c'est que j'arrive à... C'est 05, 1, 4. 40 followers, là, je suis à 38, à 40 followers à la fin de cette vidéo, ça serait génial. Alors, peu importe, de toute façon, 0, 8, 1, 4, ça marchera pas. Là j'en ai pas besoin, ça dégage. Là non plus.
salle délicate. Voilà. Alors, vous avez une pièce antique ici. Stéroïde là. Stéroïde. Hein. Toujours important de les prendre. Tu vas me dire que t'as survécu un coup de magnum, toi? Bah si, t'avais survécu un coup de magnum. Alors... ça j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai pas besoin d'autre? Voilà. Alors encore une fois, je répète bien, pensez à bien cleaner toutes les pièces, toutes les zones, quand vous n'avez pas les munitions limitées, parce que vous avez des choses que vous pouvez débloquer, vous pouvez aussi combiner des choses pour créer des munitions spéciales, etc. Donc ça, c'est important. Nouvel ennemi qu'on connaît depuis. Il est mort. Voilà. Alors, il est chiant à buter hein, cet ennemi, mais avec le magnum ça va très bien, ça passe tout seul. N'allez pas au corps à corps avec celui-là, parce que du coup quand vous êtes au corps à corps, son sang est acide, donc il vous envoie de l'acide quand vous le plantez. La petite pièce antique. Là, il faut poser toutes les armes. Hop. Alors là, c'est une zone où du coup, vous n'avez pas d'ennemis, rassurez-vous, mais il y a des choses à faire et d'autres à pas faire. Pour ceux qui n'ont pas fait la cassette Joyeux Anniversaire. Donc là, pour activer la zone, vous passez vers le gâteau. Alors vous avez vu, c'est la douche, donc ça éteint à chaque fois. Donc là, on va pouvoir passer, vous allez allumer votre bougie. Blablabla, comme d'habitude, c'est chiant, on peut pas passer les blabla. Va chier du con. Donc une fois que la bougie est allumée, hop, ça vous en préoccupez pas en fait.
On brûle la corde. On passe là où il y a tous les ballons. On tape loser. Une fois qu'on a tapé loser, on prend ça. On repasse. On en profite pour péter le bout de bois. Hop. On met le volant. Salut à tous les nouveaux viewers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des insoumis du temple, le temple des personnes qui ne... à qui on ne dicte pas leur façon de faire. Voilà, vous rallumez la bougie. Là, comme vous avez éteint l'eau, vous passez, vous plantez la bougie. On récupère la bombe. On la fout là-dedans. Et on essaie de d'aller un peu plus loin. Et là, ça déverrouille la prochaine zone. On récolte la tête qu'on avait besoin. On récupère ce qu'on avait récupéré, c'est-à-dire la scie circulaire, le halber, on s'en fiche un peu, mais je vais prendre le Glock 17. Un remède normal, un remède anti-soin. Pièce anti-poison, munitions limitées, lunettes, chaussures, secret, art de défense. Manivelle qu'on va avoir besoin. Bras. Et voilà, voilà. Ok. Alors, si vous êtes pas trop sûr, vous sauvegardez. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de sauvegarder. Encore une fois, en normal et en facile, vous avez des sauvegardes automatiques. Hein, donc, vous vous embêtez pas à sauvegarder toutes les 10 secondes. Là, on a fait à peu près les... Ouais, on est bientôt trois quarts du jeu, là. Hop. On a ce qu'il faut, donc on enchaîne directement. Pas besoin d'enregistrer. Hein. Oui. Oui. On a... Est-ce que tu as les ingrédients?
Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Bon, on fait le sérum et ensuite... Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Hé ! Il y en a un pour moi. Et là, on arrive au boss. Alors, pour le boss final, bien sûr. Mais à l'avant-dernier boss, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Voilà, vous crevez les yeux tout simplement. Ah, c'est le but, c'est tout simplement de péter tous les yeux que vous trouvez. Voilà. Ah, vous avez plus trop le choix de descendre. Il y a des yeux en dessous, faut faire gaffe parce que c'est vachement embêtant. Alors vous voyez, l'art de défense et le secret de l'autodéfense, en fait, ils permettent de bloquer les coups sans prendre de dégâts. Donc sur ce boss, croyez-moi, c'est vachement utile. Là. Il m'en manque un. Il est où ce foutu œil? Je pense qu'il faut qu'il monte. Je vois pas, ça bagasse. Ah, puis il me pousse dans les coins, lui. Yeah. Voilà, je pense que là, évidemment, il s'est bien tapé. Ouais. C'est bon. Quand il s'énerve comme ça, c'est qu'on a fait la première phase. Il y a une deuxième mini-phase. Là, où il faut lui tirer dans l'œil de la tête. Et après normalement c'est du sprinté, donc du coup pas moyen de rater quoi. Salut à T-Max, bienvenue sur le ma chaîne. Alors je battrai pas ton temps, je te le dis à T-Max. J'ai vu que t'étais à 1:35 et quelques secondes hier. Moi je suis pas. Je perçois pas là en fait, j'explique simplement. Je suis juste là pour faire un petit tuto sur comment on fait une run de Resident Evil assez rapidement. Mais bienvenue sur les lives, ça fait plaisir de te voir sur le live. Hop, allez, casse-toi, papa. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens, Mia nous attend. Là, mon objectif de ce soir, c'est simplement de passer un petit peu de temps avec vous et puis ouais, de faire compléter un petit peu ma chaîne YouTube, d'expliquer un petit peu pour ceux qui veulent la scie sauteuse comment on fait plusieurs runs, puisqu'il faut faire 3 runs pour avoir la scie circulaire. Comment faire des runs assez rapidement sans trop s'embêter. Et puis mon objectif, ça serait mes 40 viewers, que j'arrive à 40 viewers, ça serait hyper cool.
Je suis à 38. Si je pouvais. Je sauve Zoé. Nimia, ça va être plus simple. C'est bon. Que je puisse avec mes petits 40 viewers, ça serait cool, ça me ferait grave plaisir. Partez. Partez tous les deux. Ouais, bah ouais, c'est normal que tu travailles et que tu retravailles, je comprends, hein, effectivement. C'est un entraînement quotidien. Bon, mon record, il est très loin, hein, il est de 2h21. De 2h21 sans les munitions limitées, par contre, je précise. Il n'y aura plus personne à secourir. Ah, oh, T-Max, c'est trop gentil à toi, merci. Merci pour le follow, ça fait plaisir. C'est ce que je disais déjà, 39 viewers maintenant en moins d'un mois, ça fait hyper plaisir, c'est cool. En sachant que voilà, j'essaie de voir si ma chaîne déjà peut marcher, et puis je pense que le mois prochain il y aura déjà ma caméra qui sera en route. J'attends d'avoir ma caméra, ma PlayStation caméra. Et puis j'espère bientôt un petit boîtier de capture, ça me ferait de capture vidéo, ça me serait cool que je puisse embellir un petit peu autour de cette chaîne là, ça serait pas mal. Mais bon, on va y aller par étapes. Mais en tout cas, merci pour le follow. Ça fait toujours grave plaisir d'avoir un petit follow. Merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir? Ethan. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Je passerai aussi sur les tiens. C'est vrai que je suis passé la dernière fois, j'ai pas follow. Parce que du coup, j'étais sur celui de Gang aussi. Et il faudrait que je, à l'occasion, je passe. Tu as quelque chose à voir avec tout ça? Après on jouera ensemble si tu veux, je sais pas si je pense que tu vas te prendre, tu as dit que tu te prendrais Ghost Recon, donc du coup je pense que j'aime le prendre aussi si pas mal de monde se le prend, donc avec grand plaisir aussi. C'est pas tout. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Oh. Rico. Allez, c'est long. Tu trouves pas que les cinématiques de ce jeu, déjà pas les passer, elles sont hyper longues et ça rend le jeu des fois un peu chiant. Ouais. Moi, il me rend ouf. Le début du jeu me rend ouf tellement qu'il est long. Ouais, la bêta ouverte, carrément je l'ai téléchargée vivement demain là. On va pouvoir la streamer en plus. Ouais, mais t'as raison, faut déjà se fier. À ce qui paraît, t'as vu sur la bêta, il va y avoir une zone supplémentaire en plus d'ouverte par rapport à la bêta fermée qu'on avait eue la dernière fois. Et je crois que ça c'est une zone enneigée, donc faut voir un petit peu aussi ce que ça donne. Pour ça, voir un petit peu la bêta demain. Ah ouais, il est grave soporifique le début. Bon après je le répète, je fais de la merde en fait en lisant le live, c'est pas bien ça. Voilà. Pour ceux qui veulent revoir un petit peu les tutos, les rediffs, etc. Vous avez ma chaîne YouTube, hein, Remix Terminator. Où vous avez toutes mes rediffs de stream. Ah voilà, et en plus j'ai Wizbot qui m'envoie au moment où je le dis, si c'est pas beau ça. Mon petit lien YouTube. Oui, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi, T-Max. Après ça, c'est pas un Uncharted 4 niveau ciné. C'est sûr. T'as vu d'ailleurs qu'ils vont faire un petit DLC, mais qui sera achetable à part d'Uncharted 4, qui est The Lost Legacy. On pourra jouer Chloé. Petite voleuse brune, là, que Nathan stab dans le 2. Alors ce sera un DLC à part que tu pourras jouer sans avoir le jeu en fait. Donc c'est un peu, c'est la mode un peu chelou ça, de ça d'ailleurs. Allez, cours. Là, je comprendrais jamais que dans un jeu d'horreur on peut pas courir comme ça là, genre. Bon, bah deux à l'heure.
Ouais, c'est alors ça a été pas que ça a été confirmé, mais en tout cas ils en parlent fortement. Et effectivement, quand tu regardes un petit peu les avis, les trucs sur différents sites et puis sur certains magazines, effectivement, ils tendent à ce que ça soit un DLC qui soit. Enfin, tu seras pas obligé de te taper Uncharted 4 si t'as pas envie, quoi. Bon, après, c'est bien sans être bien, ils auraient dû faire un jeu. Après, est-ce que ça sera un vrai DLC parce qu'on joue pas à Nathan Drake? Ça, on découvrira bientôt. Je vais quand même ramasser la pièce antique pour après, parce que il m'en manquait une. Je suis à 1h38 de jeu. C'est pas si mal, hein, quand même. C'est pareil, cette introduction au bateau, elle est longue. Oh, c'est une horreur. Et du coup, tu l'as platiné toi, en fait, Resident Evil 7, Intimax? Ouais, j'y pense, à T-Max. En fait, je pense que je me mettrai au speedrun quand j'aurai ma boîte de capture. Parce que du coup, j'ai envie de. Tu sais, les gens, ils. C'est vrai que. Bon, je pourrais m'entraîner hein, comme ça, hein, c'est vrai, mais. Déjà, il faut que le jeu me plaise. C'est rare d'avoir un jeu où j'ai envie de speedrunner. J'en ai eu deux. Resident Evil 7 et dernièrement BioShock que j'ai refait là sur les nouvelles collections. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. Allez, avance. Mais ouais, je pense que je prendrai quand j'aurai ma boîte de capture, c'est du coup je pourrais mettre un chrono. Pour ceux qui regardent le live, et j'ai remarqué que sur Twitch en tout cas, ça fonctionne bien que si les gens enfin les gens viennent que s'ils voient un chrono en fait, parce que ça les intéresse de voir un petit peu les frames de speedrun et les times, surtout les time savers. Sinon, j'ai vu que les gens c'est pas qu'ils accrochent pas, c'est que du coup ils ont pas de chrono donc ils sont pas trop en haleine, tu vois. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je veux ma boîte de capture. Après, voilà, c'est quand même 150 boules la boîte de capture. Oui, je sais, je vais regarder. J'entends remarquer qu'il y a énormément de temps de différence entre mon mérité et mon live, parce que je regarde mon live aussi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai autant de temps de différence entre l'un et l'autre, quoi. Je sais pas comment ça se fait. Un décalage entre le chrono que tu lances et le chrono in-game d'une différence de 2 minutes. Ouais. Oui, tout à fait. Alors. C'est circulaire, ça j'en ai pas besoin. Ça. Le halbert aussi, allez, on va le prendre, mais vraiment pour la forme.
Je sais pas quel est le mieux vraiment entre le halberd et la mitraillette. Faudrait que je teste tiens, les deux en mode rapide ce que ça donne. Je vais passer par là. Après là, tu vois, par exemple, je vois en train de voir que le, je suis sur le canapé, je suis déjà dans la cuisine en fait depuis au moins 20 secondes quoi, donc c'est qu'il y a un décalage quand même assez horrible quoi. Pour les viewers qui me regardent, et même pour les messages que vous m'envoyez, du coup, c'est compliqué quoi. Merde, je dois le réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits corps si ça continue. Oh, c'est long. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Dégage. Tu pues de la gueule en plus. Si tu lances ton chrono chez toi en même temps que tu lances le jeu, à la fin tu auras 2 minutes de plus sur ton chrono que tu as lancé chez toi. Ok. Ah, c'est bon à savoir ça, tu vois. Allez, viens là. Je préfère attendre le bon moment. Et tu vois, est-ce que c'est normal par contre qu'il y ait, que tu... Moi c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait autant de décalage entre... Donc le chrono à prendre en compte c'est le chrono in-game. Ok. Ça marche. Je prends note à T-Max de cette remarque. C'est bien à savoir d'avoir des petits conseils comme ça de speedrunner. Aïe, je me suis fait... J'ai fait de la merde. Non, par contre, une question, est-ce que je, toi qui stream aussi beaucoup comme, enfin comme moi depuis peu, on va dire, je trouve que j'ai énormément de décalage entre mon jeu et ce que vous recevez, quoi. D'habitude, il y a beaucoup moins de temps, quoi. Hyper long en fait. Ouais, quand je me vois là sur mon stream, ouf. Ah, là il y a plus de 30 secondes, hein, je peux te le dire. Là j'ai au moins 45-50 secondes facile. Ouais, je l'ai activé ce paramètre pour les messages un peu plus vite. Je l'ai vu. Je l'ai activé, alors ils ont dit que c'était en bêta, que ça pouvait faire ralentir justement un peu chez les autres. Bon, j'ai pas ressenti le truc encore. Tu es fâché contre moi, maman ? Mais non, je suis pas fâché contre toi. Comment tu m'as appelé ? Gna gna gna. Attends, comment tu m'as appelé ? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. On fait le petit tour. Ok, Evie, je serai ta maman. Mais ok, ouais, je pense que ce soir ça déconne un peu, Twitch. Evie, attends. Donc vous avez vu le script en fait, pour ceux qui regardent le tuto, il se lance pas si vous faites pas le petit tour du truc, parce que sinon la personnage, vous allez attendre longtemps en fait. Il faut que vous revoyez Evie, sinon ça se lance pas. Je regarde qu'il n'y a pas une petite visée mire pour faire plus beau gosse quoi. Une visée zoom comme ça. C'est bien, tu as un bon tic de speedrun. Merci à T-Max. C'est vrai que. Je fais plein de petites erreurs à la con hein, par contre. Hein. Je le vois bien. Mais parce que aussi je réponds à vos questions et tout ça. Je pense que pour faire un bon speedrun, faut pas que tu te perdes dans le. À répondre aux questions. Hop les.
Mais après voilà, comme je l'ai dit hein, dès le début. Je pense qu'il faut pas que tu... GG pour le level de la T-Max. Ouais, mais pourquoi? Ah, T-Max. Ah, désolé, faut que je vois, faut que tu me montres comment. Système de verrouillage d'urgence activé. Essayer de mettre un lien à T-Max si t'es encore si t'es encore dans le stream, dis-moi comment on débloque ça pour que ça évite que tu sois éjecté quoi, ça serait quand même un peu embêtant. C'était pas le but. T'inquiète, c'est rien, j'ai mis un lien sans faire exprès dans ma phrase. Ah ok, ça marche. Ça marche, Templier. D'accord, bon, si c'est pas grave, tant mieux. Je me disais, c'est bizarre qu'il soit éjecté pour un bout de phrase quand même. Et c'est reparti pour le blabla. Comment es-tu arrivé ici? Oui. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle. Sans détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Oui, ça a mis je sais pas combien de messages d'électide là. Oh, vache. C'est ouf ça. Elle fait confiance. Cette petite garce, cette machine. Oh non. Attends. Evie, non, Evie. Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça. Elle Evie. Essaie de prendre le contrôle. Non, je voulais pas. Tu dois la combattre. Je voulais... Comme dirait notre ami Gang, voici ce que peut provoquer la gastro. Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! Ouais, ok. Faut aller dans les paramètres. Mais un conseil, garde cette sécurité car il y a toujours des petits malins pour faire leur pub. Ok, Atimax, ça marche. Merci du conseil. Du coup, je vais la laisser. Alors vous avez vu, j'ai pas trop donné de conseils sur cette partie de vidéo parce qu'en fait on peut pas spécialement gagner de temps sur cette partie de vidéo. Par contre sur le temps qui va suivre là, en sortant de sortie de vidéo, on va pouvoir gagner un petit peu de temps. Je vais vous expliquer comment. Surtout en mode facile, hein. Le but, si vous voulez faire des runs en mode facile ou normal et que vous voulez gagner un max de temps, y a largement moyen quoi. Mort. On va être ensemble pour toujours. Hop, passer la cinématique, oui. Donc, je disais que si tu veux voir les stats de speedrun, il y a ma vidéo de mon record. Mais sinon, tu vas sur speedrun.com. Lol, j'ai niqué Louise Bad. Et tu verras le premier et sa vidéo. Ok, ça marche. Bon, après, voilà, je suis pas... Ouais, j'irai faire un tour, mais... Mais je vais regarder plutôt ta vidéo, parce que moi, j'aime bien regarder les vidéos des personnes qui aussi m'accompagnent et me donnent des conseils.
Et puis voilà, puis je sais que toi, voilà, hier t'as fait 1h35, enfin, la dernière, enfin je dis hier, manière de parler, la dernière fois t'as fait 1h35 et quelques secondes t'avais dit à gang, donc du coup je me dis, c'est quand même pas un si mauvais score. Et ouais, pourquoi pas, ouais, à l'occasion, pas de soucis. Après, je t'avoue que voilà, je suis à ma 18e run là, ou 17e, je sais plus, 17 ou 18e, et que je pense que je vais faire une pause de Resident Evil après. Là, c'est juste parce que j'avais envie de faire une petite vidéo tuto ce soir, que ça faisait 2 ou 3 jours, et que d'ailleurs le jeu buguait bizarrement. C'est pour ça que j'ai pas pu la faire avant. C'est que depuis que les nouveaux DLC ont été mis, j'étais en chargement continu, constant, 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 infini, et le jeu ne démarrait pas en fait. Et ça me faisait pas qu'à moi. Et du coup, j'ai dû désinstaller, réinstaller le jeu avec les DLC et tout ça pour relancer le truc, quoi. Jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Alors, comment gagner du temps ici? 1h35-27 et je suis 8e mondial et 2e français. Eh, bien joué, T-Max. Félicitations. C'est quand même déjà un bon score. Donc ici, concrètement, comment on gagne du temps? Hop. Vous passez au quatrième, vous n'avez pas le choix, il vous faut la clé de l'ascenseur. C'est cool déjà, tu vois. Mais ça te fait un défi, quoi. Deuxième français, ça te donne envie d'être premier français, je comprends, hein. Du coup, je pense que je serais dans cette situation, j'aurais pas envie de lâcher non plus. Alors là, on s'en fout, on zappe l'ordinateur. Hop, on file dans la cabine du capitaine. Et là, très honnêtement, en fait, en mode facile, vous pouvez même le faire sans arme, pratiquement. Donc la mitraillette, on va pas la prendre, ça sert à rien. Il nous faut une clé spéciale qui se trouve au deuxième. Et pour ça, il nous faut qu'on utilise de l'acide. Alors qu'en fait, ça nous fait gâcher un acide, récupérer d'autres acides et tout ça, c'est hyper long. En fait, on a besoin que d'un seul acide. Ah, mais c'est cool ça d'avoir des gens autour de soi qui nous soutiennent aussi quand on veut battre des records personnels et tout, c'est plutôt cool. Si tu pouvais simplement, voilà, merci. Alors, on passe au deuxième. On court tout de suite dans la salle de la vidéo. Avec la sauvegarde. Je pourrais passer directement en premier puis au deuxième, mais en fait je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. Donc sauvegarder pour ceux qui veulent sauvegarder, qui n'êtes pas trop sûr, sinon les autres, on récupère tout ce qu'il y a à nous. C'est-à-dire le halbert, 6 circulaires, munitions limitées, lunettes à rayon X, chaussures, hop. Et on récupère le corrosif qui est ici. Voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin au deuxième. Et encore, on peut vraiment sauter cette étape. Hein. Si vraiment il y en a qui sont hyper chauds de ouf malade, vous allez directement en premier. Moi, je préfère un peu sécuriser. Ouais, si tu veux, hein, on peut tester un truc vers la fin, pas de soucis. Vers la fin, vers quel moment de la fin, dis-moi. Que je t'alerte. Le PM. Ah, j'adore cette arme, je sais pas pourquoi. Et pas très puissante. Alors là c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé, mais du coup si vous voulez assurer, vous sauvegardez ici. Et ensuite le but c'est de courir. Vous courez pour aller chercher ça ici. Hop. Faites demi-tour. Alors, vous avez l'ennemi. Il n'y a plus d'ennemis. Voilà, vont passer au troisième. Le corrosif du coup que vous pouviez utiliser pour la clé du capitaine, vous l'utilisez pour la porte qui est ici. Ça vous fait déjà gagner un temps de ouf, hein, le temps de monter les échelles et tout ça, c'est hyper long. Et encore, moi j'ai vraiment perdu du temps parce que j'ai pris les armes, les machins, et je vous dis, il y a moyen vraiment d'esquiver.
D'accord, après avoir récupéré le vaccin quand même il apparaît. Ok. Ah, normalement vous avez le temps de faire les deux, hein, s'il veut bien s'y mettre. Voilà. Avant que le gros il arrive, j'essaie de le faire en live direct là. Voilà. Voilà, le gros il est là. Hop. Vous avez vu, même pas besoin de tirer dedans, vous avez même pas besoin d'aller chercher les armes ou quoi que ce soit. Normalement il y a moyen de passer easy. Vous courez. En mode facile, les ennemis ils courent pas beaucoup. Donc vous avez largement le temps de fuir. Puis même s'il vous fait un petit dégât, un petit coup de sirop et puis terminé quoi. Hop. Là vous avez tous les éléments de votre ascenseur. Voilà. Dès que tu vois le logo de sauvegarde, tu fais start, tu attends que le logo parte et tu te fais, et là tu fais recommencer et tu vas avoir un boost de vitesse. Alors on va regarder ça après, je sais pas exactement à quel moment tu parles d'avoir récupéré le vaccin. Au moment où il y a tous les ennemis qui vont popper là. Ça. Hop. Et là vous avez gagné un temps quand même de ouf. Hein. Dire, vous avez peut-être gagné au moins 2-3 minutes. Ok, ça marche, je vais essayer d'aller vite pour pas que de faire patienter trop longtemps sur ma chaîne si tu voulais faire autre chose. Ou là je suis sur la fin hein, donc ça devrait aller hyper rapidement. T'es mort. Il est hyper puissant ce petit pistolet et pourtant c'est qualité moyenne quoi. Hop, dégage. Ah merde, j'ai pas pensé à prendre une bombe au cas où. Bon, c'est pas grave, allez. Je suis un gueudin. Lève-toi, toi. Ça marche à Timax, merci de prendre le temps, en tout cas c'est cool. Hop. Alors vous avez vu du coup, là encore une fois hein, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai voulu prendre mes armes, mes machins. Sur le bateau vous n'avez pas besoin de tous les gadgets, à la limite vous prenez quoi? Juste le flingue, les munitions limitées, vous gagnez quand même 30 secondes et vous partez, vous faites votre vie, vous allez chercher votre cordon, votre machin. Oui comme j'ai dit c'est pas un speedrun, je vous explique simplement comment faire des runs un peu rapides. Donc voilà, prenez vraiment le temps de choisir vos objets avec avec choix en mode facile, vous avez vraiment besoin que de très peu de choses en fait. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son nom. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvée. Une chose aussi à savoir, du coup, quand on veut faire des runs rapides, c'est pas forcément taper tous les ennemis. C'est aussi des fois savoir esquiver et savoir courir et fuir, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vieille maison avec la partie dans le noir total. Ça sert à rien de taper les ennemis en fait. Vous avez largement la place pour passer, et encore une fois, vous êtes en facile et en normal, ils courent pas beaucoup. Ils courent que très peu, donc vous avez largement le temps de les distancer quoi. Moi c'est parce que je kiffe ce jeu et j'aime bien taper dans le tas, mais sinon il y a moyen de vraiment faire le jeu sans pratiquement taper personne. Hein. Bon allez, il a fini de parler. Bon, je battrai pas mon record avec les munitions, mais en même temps, j'ai tellement pris de temps pour expliquer les choses et tout ça. Libère ma famille. Je t'en supplie. Éloigne-toi de lui.
Quoi? Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... Tu veux que je lance une autre run après? Ah, t'es ouf! Oh, je bosse demain! Ouais, en fait, je m'étais dit, je vais faire juste un petit tuto run pour le mettre sur ma chaîne YouTube. Et à voir. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Parce que je t'avoue que généralement, comme je fais des journées de entre 12 et 15 heures, parce que du coup je travaille avec les enfants. J'avoue que je suis mort de chez mort. Et j'aime bien avant d'aller me coucher de regarder un petit stream de quelqu'un en fait. Généralement je vais sur celui de Gang. Pour ceux qui regardent la vidéo, donc je fais une petite pub à un streamer qui est fort sympathique qui s'appelle le Gang des Bonnets. Qui stream beaucoup le soir à partir de 21h jusqu'à ce que le vent le mène. Et il stream voilà, pas mal de jeux. Il est beaucoup dans la découverte. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir un petit son live. Et vous avez du coup mon ami Atimax qui est avec moi. Enfin, je dis mon ami, mais manière de parler du coup. Je le connais depuis très peu de temps, mais en tout cas, quelqu'un de fort sympathique. Et il stream également, et du coup, je vous invite effectivement à aller voir un petit peu aussi sa chaîne, parce que je sais qu'il stream pas mal de choses. Mais ouais, je te dis pas oui, je te dis pas non, Atimax. Au pire des cas, j'en ferai une demain soir si tu veux, y a pas de souci, ça peut se faire. Mais ouais, je faut que j'en fasse, de toute façon, il me tente bien de speedrunner ce jeu. Après, je t'avoue que là, comme je suis en manque aussi de sous-sous, j'ai pas forcément de... J'ai pas forcément de temps non plus de moment d'acheter de nouveaux jeux. J'attends déjà Horizon, là, qui arrive. Je pense qu'on l'attend tous, d'ailleurs, hein, ce fameux Horizon. Et sans doute Ghost Recon, en fonction de voir comment la bêta elle se présente, si elle se présente plutôt bien, et puis si du coup je joue avec beaucoup d'amis aussi, s'ils le prennent je le prendrai sûrement aussi pour qu'on joue aussi ensemble, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué tous ensemble, et ça me ferait grave plaisir de rejouer avec pas mal de monde, c'est tout seul. Bah après faut que ça rentre dans le crâne, alors déjà tu m'as envoyé un petit message pour merci pour la pub, je te dis y a pas de souci, avec grand plaisir. Un service envoie un autre et puis tu m'aides. Moi, ouais, pas de problème, ça me fait plaisir de voir ta pub. Ensuite, faut que ça rentre dans le crâne. J'ai envie de te dire que le jeu, je le connais pratiquement par cœur. Quoi. Maintenant, je l'ai fait 18 fois. Quoi. Pour te dire que... Oui, d'abord, je le connais. Non. Elle est cassée. Le reste, j'ai pas besoin. Ok. Ah, ici, je voulais. Si, je vais les prendre quand même. Je vais prendre le stabilisateur. Alors, en speedrun, le stabilisateur, c'est pas grand chose. Moi, je le prends parce que j'aime bien. Le magnum, il est utile en fait en rechargement rapide. Et je vous avoue, je vous conseille de le prendre si vous voulez quand même faire une petite run rapide, mais de plaisir. Non, je voulais pas le lance-grenade. Je m'en fous du lance-grenade. Ah, faut que les strats de speedrun rentrent dans le crâne. C'est différent. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, faut que je prenne le temps de tout ça. Je pense que... J'espère bientôt être en vacances. Je vais être en vacances là 15 jours. Et en fait, on m'a appelé en disant, bah, Romain... on a des malades, on a des gamins sans animateur donc, du coup, et sans directeur, donc du coup j'ai dit oui parce que je suis un mec plutôt sympa. Mais ouais, j'espère prendre quelques journées là bientôt parce que j'ai rendu service. Ah, le lance-grenade est important, tu vois. Bah tu vois, tu m'apprends un truc. Parce que pour moi, l'arme la plus ouf du jeu en fait, c'est carrément le magnum en fait. Bah attends, je vais le rechercher si tu me dis qu'il est important, je vais t'écouter. Voilà, comme quoi, vous voyez, même des personnes qui font des tutos ont toujours besoin de conseils. Et là, du coup, on est dans le plein conseil du speedrun, donc
J'écoute mon ami Atimax. Je vais le prendre. De toute façon, vu la place que j'ai largement la place de l'inventaire. Voilà. Et GG pour le level up Atimax. Ah ouais, bah, et en mode facile, alors. Tu hausses les deux gros à la fin, à la grenade bleue, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je l'ai fait en fait pour ma toute première run en survie quand j'avais pas les munitions limitées. Ça m'avait grave sauvé la vie. Par contre, en facile, généralement, les gros, tu les passes direct en fait. T'as même pas besoin de lancer une grenade, t'as même pas besoin de tirer une balle en fait. Ouais, je les stone, ouais, carrément. Ouais, je sais, ma première run survie, j'ai dû refaire au moins le passage des deux gros, au moins 15 fois. Après, petit conseil pour speedrunner, pour ceux qui veulent vraiment speedrunner le jeu et pas simplement faire des runs rapides. Voilà, moi j'ai pris le Magnum parce que du coup j'ai pris le temps de chercher les 9 pièces que j'avais besoin et encore elles étaient sur mon passage. Mais sinon effectivement il faut mieux utiliser l'Albert. Enfin vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main quoi, vous pouvez utiliser l'Albert qui est assez puissant quand même. Et vous esquivez beaucoup plus d'ennemis que j'en ai esquivé ce soir en fait. Ouais c'est sûr qu'en speedrun effectivement je pense que tu dois essayer de le faire pour éviter le troll. Ça se comprend. Éviter un coup comme ça, tout bêtement, effectivement. Je conçois bien. Après, ouais, je vais faire un petit coup, tiens, pour montrer aussi. Sur le tuto, je vais faire un petit coup là avant de tout à l'heure. Tant qu'à faire, autant que les conseils servent. Alors, vous tuez le premier généralement, généralement les deux passent quand vous lâchez le wagon. Bon, moi je préfère sécuriser le premier, c'est des fois il avance plus vite que. Voilà, le deuxième était même pas passé, c'est pas grave. Hop. Vous avancez. Pour les adeptes du mode survie, ici vous avez un stéroïde qui est caché. Pensez à le prendre, il sert toujours. Voilà, donc là j'ai le vaccin. Je pense que du coup il y a les 50 secondes de décalage à peu près. Donc faut que tu me dises à peu près où est-ce que je dois mettre le start. Je vais aller au ralenti pour que tu puisses m'envoyer le message du coup. Tout à l'heure, ce que tu m'as dit, c'est dès que tu vois le logo de Solga, après avoir récupéré le vaccin, quand Evelyn apparaît. Donc pour moi, c'est juste avant là où il y a tous les ennemis qui pop en fait. Quand tu entends la fille parler, tu t'accroupis pour passer et après elle apparaît. D'accord, ok, c'est là. Donc dès que je la vois, je mets start, j'attends que le point de sauvegarde y finisse et je mets recommencer. On va voir si ça marche. Donc j'ai Atimax qui me donne un petit conseil boost. Là, hop. J'ai pas le logo qui s'est apparu là.
Ah d'accord, quand le point de sauvegarde arrive, mets start. Ok. Hop, là, j'ai mis start. Et je vais recommencer. Alors donc pour ceux qui comprennent pas ce que je viens de faire, c'est que j'ai Atimax qui vient de me donner un petit conseil pour avoir un coup de boost en fait. Qui me dit qu'il faut attendre voilà, que le start apparaisse, que le point de sauvegarde apparaisse. Ah oui, ça a l'air effectivement plus rapide. Ah oui. Oui, grave, effectivement, tu sens le coup de boost. Ouais, c'est ouf ça. Ah ouais, grave. Ah bah oui, donc je répète le conseil pour ceux qui verront la vidéo tuto. C'est que une fois que la fille est apparue, vous mettez start dès que vous avez le point de sauvegarde automatique qui s'est activé. Dès que le point de sauvegarde automatique disparaît sur votre start, vous mettez recommencer. Ouais, tu sens la différence hein, quand même, hein. C'est ouf, c'est clair. Et du coup, une fois que vous recommencez, vous avez un petit coup de boost. Et alors, ça se voit peut-être pas sur la vidéo. Ah merde. Alors, vous mettez les grenades bleues. Voilà. Ok. Et ensuite, vous courez vite. Et normalement, vous n'avez pas besoin de taper les gros. Ah bah, je me suis fail, mais alors, comme il faut. C'est pas grave, on va y aller. Oh, tu te calmes, toi. Voilà, sinon vous y allez au magnum, hein. Comme je fais d'habitude, j'aurais dû commencer par ça, je voulais voir si effectivement la solution d'Atimax marchait et comme un teubé en fait, j'ai complètement oublié de changer le type de grenade, donc ça a un peu fail le truc, bon, rien de grave, on est en facile, j'ai pris pratiquement aucun dégât, easy quoi. Pas besoin de ce qu'il a. Ah ça c'est grave, le coup de boost il va être bien là. C'est vrai que c'est hyper long quoi. La fin, le début et la fin sont hyper longs. C'est un truc de ouf. Et le boss de fin aussi circulaire. Ah ouais? Ça va pas plus vite au magnum. Salut madame. Non, c'est pas de ma faute. Sam, ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Boss de fin aussi circulaire. Tue-le, maman. Ah, tiens, tu m'apprends un truc. C'est cool ça, T-Max. Merci en tout cas de rester sur mon live. Ça me fait grave plaisir d'avoir des petits conseils supplémentaires comme ça. Aïe. Ouais, je savais que tu me le disais aussi, ça me paraissait bizarre. Maman t'a tué. Moi j'y vais au magnum, hein, je défonce tout. Ouais. C'est vrai que. Il y a mieux comme boss de fin, c'est clair. Allez, vas-y, dis-moi que tu joues pas. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Non! Éloigne ça de moi! Yeah.
loupé. Ah. Quand il arrive, tu t'approches de lui, tu lui mets des coups de scie, après tu pars dehors et tu attends que tu chopes. Quand il arrive, tu approches de lui, tu lui mets des coups de scie, après tu pars dehors et tu attends que tu chopes. Oh, je teste. Allez, je teste. Mais t'es sûr que ça fait... Ça, tu gagnes du temps par rapport à... Tu attends qu'il te chope. C'est vrai que j'étais assez rapidement dehors, je te l'avoue. Ah, est grave. Et ben voilà, donc effectivement, ben voilà, si vous voulez gagner plus de temps encore sur une fin de run, vous allez à la scie circulaire. Si vous n'avez pas la scie circulaire, n'importe quelle arme fera l'affaire, vous avez les lance-grenades, vous avez les lance-grenades. Mais comme a bien précisé Atimax sur le chat du live, c'est un boss à moitié scripté, hein, donc effectivement, vous donnez quelques coups, vous allez dehors, vous redonnez quelques coups, vous tombez. C'est pas le boss le plus compliqué qui existe sur Resident Evil, hein. C'est même, je pense, de loin le plus simple. On passe à la cinématique. ...2h18, donc j'ai battu mon record de 4 minutes, à peu près, ouais. Et encore, j'ai pris le temps de vous expliquer, j'ai pris des choses que j'avais pas besoin de prendre, j'ai ouvert le coffre trop de fois, parce que ça m'a pas servi à grand chose. Donc c'est plutôt cool. Je pense qu'effectivement il y a moyen que j'optimise tout ça en regardant bien les strats des speedruns, et de me caser un petit peu, pas si mal que ça au niveau du temps. Donc c'est plutôt cool. Il me reste plus qu'à vous remercier tous. On a été jusqu'à 7 ce soir sur le live, donc c'est plutôt cool. Moi ça me fait plaisir, je cherche pas, hein, encore une fois, la gloire ou quoi que ce soit, donc 7, moi ça me va très bien. Discuter, je remercie Atimax du coup de m'avoir accompagné sur cette deuxième partie de la vidéo. Mais merci à toi, ça m'a fait grand plaisir en tout cas que tu viennes prendre du temps pour moi, qui débute dans le live.
Et encore une fois, voilà, c'est vraiment mes débuts. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Donc voilà. Pour ceux qui étaient avec moi et Atimax, n'hésitez pas à retrouver Atimax aussi sur Twitch pour ses lives. Petite pub pour lui, pour le remercier, parce que c'est vachement sympa de sa part. Je vous invite aussi à y aller. Et croyez-moi, c'est un mec plutôt sympa, parce que du coup, on a joué un petit temps ensemble sur la bêta de Ghost Recon. Et c'est plutôt pas mal. Et je suis pour l'instant 101e mondial. Que Atimax est en train de me le dire, eh ben, par rapport au nombre de jeux qui s'est vendu, 101e mondial, je prends. Pour le moment, c'est hyper cool. Merci à tous. Vous aurez bien sûr cette rediff sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Et je pense que dans le reste de la semaine, soit je referai une run Resident Evil 7, soit j'ai envie de retester un petit peu un jeu qu'on a découvert il y a un petit moment maintenant, qui est Metal Gear Solid. Ce sera celui-là, ou ben, comme je bosse un peu beaucoup, si j'arrive à avoir Horizon en avance, peut-être aussi Horizon, mais bon, après voilà, il y aura déjà pas mal de monde qui le streamera, donc c'est pas voilà, ça sera plus sous forme de test. Je ferai pas une run complète, ça sera voilà une petite heure, 1 heure et demie, où on essaiera de comprendre un petit peu le gameplay, et on essaiera de voir tous ensemble si c'est un bon jeu ou pas. Bye à tous, salut et merci encore à Timax, à très bientôt. Et si à Timax tu stream, j'essaierai de voir là, je vais essayer de passer voir si ta chaîne est ouverte. En tout cas, je vais la suivre et puis savoir si tu stream. À plus, salut à tous.